jamais été aussi près, donc ouais, c'est sympa. Voilà, faut profiter de ces derniers petits moments à terre et bien les vivre aussi. Mais enfin, bon, c'est sympa de se dire qu'on va enfin pouvoir profiter de ces 2-3 années de travail dans la conception, dans la construction de ce bateau, dans la mise au point, et puis là de partir avec cette belle équipe sur le Maxi Banque Populaire, ça fait vraiment très très plaisir. C'est vrai qu'on a de la peine à y croire que notre rêve va se réaliser, quoi, après tout ce temps d'attente. Et puis, on y est, ouais, on ne peut plus reculer, donc on est super content. Et puis, on se réjouit d'avoir la banane en passant la ligne de départ à Ouessant. J'ai vraiment hâte d'aller naviguer, ça me fait vraiment plaisir, parce que mine de rien, on a beaucoup travaillé pour ça. L'attente était très longue, c'est pas évident. Donc là, au contraire, non, je suis très très content d'aller sur l'eau avec le bateau, de retourner sur l'eau et puis d'aller faire ce premier tour du monde pour moi. Tout le boulot qui a été fourni par l'équipe de Banque Pop, plus toute la précision, toute l'intention de ce projet-là, mérite largement d'être essayé une fois, tenté au moins une fois, hein, et d'avoir les conditions pour y aller. Je suis soulagé, parce que j'ai craint, effectivement, il y a une semaine, 10 jours, il n'y avait rien en lisibilité, météorologiquement parlant, sachant qu'il ne faut pas partir après fin février, on commençait à être dans le dernier sas, quoi. On sait aussi que ça ne va pas être une partie de plaisir. Les 2 premiers jours vont être assez difficiles parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas navigué. Et puis d'entrée de jeu, on va être dans des conditions de froid, vraiment hivernales. Et donc, il va falloir être surconcentré, quoi. On est vraiment au pied du mur. On est à la veille du départ. Donc il y a beaucoup d'émotions aussi, quoi. Et en plus, ce qu'il y a de sympa aujourd'hui, c'est que il y a vraiment une super bande à bord, quoi. Il y a des gens très compétents. Et à chaque fois, je les vois, tout le monde a la banane, tourner, tout ça se dégage, quoi. Ça se respire. Tout le monde est vraiment content de vivre ça ensemble. Et moi, à ma place, à ma position, je prends beaucoup de plaisir à voir tous ces gars-là parce que, indépendamment de leur qualité sportive, ils ont beaucoup de qualité humaine et beaucoup de respect. Et voilà, donc je me réjouis énormément de partager cette aventure avec eux. Il n'y a pas vraiment de pression à proprement parler, je pense qu'on est prêts, on a tous beaucoup travaillé pour être dans les temps. Donc c'est aussi le résultat de plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années de travail. Je pense que c'est l'objectif après lequel on court, entre guillemets, depuis de toute façon un an, parce qu'on était déjà prêts il y a 12 mois. On est contents, proches de la libération, entre guillemets, et prêts pour une grande aventure pendant 40 et quelques jours.